On sait pas. Il a dit qu'il voulait plus me voir. Il a même pas laissé un mot, le salon. Il a pris sa guitare, t'as vu? Ah, mais... Il est comme ça, Louis, tu sais bien. Oui, c'est lui, c'est mon message. C'est moi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu rappelles pas? Moi, avec elle, tu dois tout savoir, t'es sûr? N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère, il s'est barré. Ton jumeau? Tiens, celle-là, il l'a fait pour toi. Lily, elle s'appelle. Take another walk out of your feet. Please put all the drugs out of your head. See that you can breathe without no back. So much stuff you got to understand. Every step, in any walk, any time, of any thought, I'd be your guy. Every street, any scene, any place you've never been, I'd be your guy. Ce soir pour la dernière soirée de notre spectacle. Oui, alors il y a encore demain, bien sûr, tu as raison Nicolas, mais c'est la dernière soirée quand même. Alors, nous sommes, vous chantez des chansons de films, évidemment, qui nous ont marqué, des chansons un peu connues et d'autres un peu moins connues, qui nous
espérons, vous feront un peu voyager dans notre univers et nos souvenirs musicaux cinématographiques des années 60, 70, 80, 90 et même 2000. Voilà, puisque nous venons de vous jouer une chanson extraite d'un film sorti en 2006. C'était Je vais bien, ne t'en fais pas, donc sorti en 2006, composé par Aaron avec la délicieuse Mélanie Laurent comme actrice. Voilà. En tout cas, ce soir, vous êtes vraiment au rendez-vous. On vous remercie. On va essayer de se lâcher pour vous ce soir. Vous le méritez. Vous le méritez. Alors, nous allons commencer ce spectacle par des chansons de films des années 80-90, des gros succès en fait cinéma qui ont marqué les esprits et qui ont la même particularité. Alors, en effet, quelquefois, il n'y a pas une mais deux chansons qui peuvent faire le succès musical d'un film. C'est arrivé pour un grand succès, par exemple, de 1983, qu'on va vous jouer, là, où, à force de... Voilà, il y a deux chansons de qui ont eu un grand succès, et on s'est dit avec Nicolas, bon, bah alors, quitte à choisir une, on va les faire deux, quitte à vous surprendre complètement, parce que c'est pas forcément facile de les mélanger ensemble, mais on va prendre des risques pour vous ce soir, parce que vous êtes là, et vous êtes... Ouais, ouais. Donc si vous avez déjà porté des guêtres en laine et des bandeaux un peu fluo, ça devrait vous parler. First, when there's nothing but a slow glowing dream that you feel seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take hold of my heart. Chez Maniac,
sorti en 83, qui ont fait vraiment un carton. Alors nous allons nous projeter 10 ans plus tard avec un film qui aura marqué toute une génération, avec deux succès de Neil Young et de Bruce Springsteen. Excusez du peu. Voilà, pour le film sorti en 1993, Philadelphia. Suffirait, je pense, à ce que quelqu'un trouve, même plusieurs personnes. Attention, c'est très rapide. Question de seconde. Ils sont tellement au taquet que là. Ils sont au taquet. Nico, à toi. Thank you.
girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. I love you so much, can't count all the way to die for the girl, and all I can say is, it's not your kind. Well, I never know when I come around. What I'm gonna find, don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl, you'll be a woman soon. Soon, you'll need a man. Alors, en fait, un peu en fil rouge ce soir, j'aimerais vous parler de cinq grands compositeurs de musique de film qui ont un petit peu nous ont marqué, qui ont marqué le cinéma français. Et en fait, voilà, j'aimerais vous les faire redécouvrir. Et le premier compositeur dont j'aimerais vous parler, c'est un grand monsieur qui a plus de 50 ans de musique de film derrière lui. Il a la particularité d'être carrément associé à un grand réalisateur qui s'appelle Claude Lelouch, avec qui il a fait de grandes musiques de film, comme Itinéraire d'un enfant gâté, comme La Bonne Année, comme La Belle Histoire, comme Les Uns et les Autres, comme tellement, tellement de musique de film, tous ces films. Il a aussi connu le succès sans Claude Lelouch avec Love Story, avec des films comme Billy, aussi un peu cochon, et aussi avec des comédies françaises comme Les Ripoux ou Association de Malfaiteurs. Et il a aussi fait des musiques pour la télévision. Et en fait, quand on était petit, on regardait la télé et on voyait les génériques. Ce que vous avez entendu au tout début, c'était joué par Nicolas et Nathalie, c'était Les Étoiles du Cinéma. C'était Francis Lai, bien sûr, qui a composé toutes ces musiques. Ces choses sérieuses. Ouais. Nicolas, est-ce qu'il est utile de préciser le titre de ce film? Je ne pense pas. Non, mais il est sorti en 90, je venais d'avoir 18 ans. J'étais beau comme un enfant et fort comme un homme, et 1m20 de jambes, ça ne s'oublie pas. Let's go.
yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. Cause I need you, I treat you right. Come with me, baby. Merci, merci, merci. J'en meurs, j'aimerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quelle sur boum? Boum, pas sur boum. Je fais une boum, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. Je fais rien à mettre. Vous voulez sortir avec moi? Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, attends, sortir à la première boum. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Je signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire. Qu'elle se réjouit depuis des mois. Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. There's light on love. De la boum et la boum 2, hein.
parce qu'à la fin, il y a quand même la boule, et puis il y a les deux chansons de la boule. On a un peu fait un petit mix pour ces musiques composées par l'excellent Vladimir Cosma, qui aura marqué de son empreinte musicale les comédies françaises des années 70, 80, 90, on ne peut pas l'oublier. Alors ce qui m'amène à vous parler de mon deuxième compositeur dont j'aimerais vous parler. Voilà, donc c'est un compositeur italien, chef d'orchestre mondialement connu, qui est vraiment une légende. Il a fait à peu près 500 musiques de films et télévision et vendu à peu près 70 millions d'albums, rien que ça. Il va passer à Paris, il a à peu près 85 ans, il va passer à Paris au mois de février. En tout cas, moi je me réjouis d'aller le voir. Et en fait, il a aussi travaillé avec Sergio Leone, par exemple. Il a fait de grandes musiques de films, il a aussi composé Il était une fois en Amérique, un film qu'on ne se laisse pas de revoir. Aussi Mission, Les Incorruptibles. Bien sûr, je veux parler de Ennio Morricone, bien sûr. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va vous jouer d'Ennio Morricone? Parce que c'est vrai qu'il a fait tellement de choses, c'est pas évident, et puis c'est à trois instruments, c'est pas facile. Alors finalement, on va vous faire la musique du film franco-italien qui est sorti en 1969, avec une triade d'acteurs mémorables qui étaient donc Gabin, Ventura, Delon. Pour un voyage dans le pays natal d'Ennio Morricone, évidemment, le clan des Siciliens. Comme ça, laisser ce pays magnifique à Italie comme ça sans faire un petit rappel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Moi, j'aimerais pas quitter l'Italie comme ça, Nico. On peut pas faire ça. On peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Alors, on va parler peut-être de l'italo-italien, peut-être, tu sais. Sylvester. Qui? L'italo-italien, ça vous parle un peu? Stallone. Alors, ok. Et... Parce que j'ai entendu Rocco. Non, c'est pas Rocco, c'est alors Rocky, bien sûr. Rocky. Rocky Balboa, bien sûr. C'est un compositeur méconnu qui nous a quittés en 1975 à l'âge de 36 ans. Alors je parlais de François de Roubaix. En 10 ans de carrière seulement, il a carrément créé un style musical à lui, en innovant complètement et avec des générateurs de sons qui étaient les ancêtres des synthétiseurs. Qu'il mélangeait à toutes sortes d'instruments qu'il jouait lui-même, qu'il mixait lui-même dans son appartement du 17e arrondissement. Ça donna de très très belles réussites avec des musiques de films comme Les Aventuriers, comme L'Âge Kumun, comme Dernier Domicile Connu, comme encore un film dont on va vous jouer le thème, qui est un film sorti en 1975 avec l'inoubliable Romy Schneider et le regretté Philippe Noiret, un film de Robert Enrico qui s'appelait Le Vieux Fusil. Thank you.
n'est pas trop chaud? Non. Tout va bien? Alors, nous allons chanter maintenant une chanson un petit peu moins connue. Nicolas, qu'est-ce que c'est cette chanson-là? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas chanter? Ce film, donc Closer, a eu le grand mérite de faire apparaître une belle brochette de sex symboles. Donc, Julia Roberts et Natalie Portman. Ou, enfin, de l'autre côté, Jude Law et Clive Owen, quand même, mine de rien. Donc ça, c'est le premier intérêt du film. Et le deuxième, c'est qu'il a lancé la carrière de Damien Rice, un jeune chanteur irlandais, qui a fait un album qui était magnifique, qui s'appelle O. D'accord. Et la chanson, donc, qui est de cet album, est au générique de début et de fin de ce film Closer, elle s'appelle The Blower's Daughter. Je vous recommande l'album, vraiment, pépite. So it is, it's like you said it would be. Life goes easy on me. Almost every time. And so it is, short story. Going on, and you've been crying.
catch a flame in your eye. There's a crack in your games, like those rolling days on my sick face. Talk to me. Please talk. Baby, talk, it's me. Talk to me. Seems like the sun is shining on everyone but me. Won't you talk to me? This is scary, scary. Enchaîné avec mon quatrième compositeur, j'aimerais vous parler. Alors on va faire une petite devinette. Je vais essayer de me transformer ce soir en Julien Lepers ou en Jean-Pierre Lecombe. Allez, encore plus loin. Quatrième compositeur. On va commencer crescendo. Je voudrais savoir voilà si dans la salle on est sur soi très concentré. C'est un compositeur qui a composé un film assez mythique qui repasse de temps en temps à la télé, avec quatre acteurs au summum de leur beauté, à savoir Alain Delon, Henri Schneider, Jane Birkin, Maurice René. La piscine. Ah oui, voilà, la piscine. Ce compositeur a composé la musique du film La Piscine. Aussi, il a composé, on va dire, le Sauvage, aussi, avec Catherine Deneuve et Yves Montand, quand ils sont dans une île, machin, c'est avec des images magnifiques. Qui est ce compositeur, messieurs, dames? Michel Legrand. La dame derrière. C'est la dame derrière. Elle est très, très rapide. Bravo, madame. Vous avez gagné. Alors, on va se réapproprier les boîtes de jeux. Hein. Les enfants sont avec les iPads. Nous, on se réapproprie évidemment les jeux comme ça, la bonne paye, le risque, les choses comme ça. Et tout ce cinéma qui est un excellent jeu sur le cinéma. Un jeu très sérieux mais très sympa. Et bravo, vous avez été très rapide, c'est pour vous. Bravo, on peut l'applaudir. Il a composé beaucoup de choses musicales. On lui doit un travail vraiment incroyable avec Jacques Demy, en composant évidemment des succès comme Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne. Il a composé aussi une carrière internationale avec des trois Oscars à la clé quand même, c'est quand même pas mal, avec Yentl, Un été 42 et l'affaire Thomas Crown. En fait, on aurait pu carrément ce soir faire le cinéma avec Michel Legrand, tellement qu'il a tellement de succès, qu'il aura marqué de son empreinte le cinéma français, le cinéma étranger. C'est un compositeur qui est vraiment talentueux et que j'admire beaucoup.
Et ce soir, pour vous, nous allons vous chanter la chanson du film L'affaire Thomas Crown en français. Hein. Parce que moi, je suis plus à l'aise en français, je sais pas. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval comme le chemin me down, Ben. I hit the
C'était une super aventure avec toi et plein de bonnes choses et pour la suite. Alors on va enchaîner avec une chanson d'un film célèbre qui est sorti en 1978 avec une comédie musicale avec deux acteurs encore très très célèbres qui sont John Travolta et Olivia Newton-John pour Grease. Tell him it's dead. They're about to fly. And I'm new. Can't control. All the power you supply. It's empty. You can't say back before. Cause I need a man. I need my heart to stand on you. Cool. Away. When that mirror crashed, I called you.
sort comme son ami Charles avec Sandra Bullock pour le film Top Gun, sorti en 1985. Et oui, alors on va enchaîner avec une musique. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette musique, Nicolas? Ah oui. Pourquoi? On ne connaît pas cette musique, personne ne la connaît. C'est vrai. Pourquoi? Mais je voulais vous la faire découvrir. Donc c'est la deuxième chanson que je voulais vraiment avoir ici, enfin jouer dans ce spectacle. Deuxième chanson d'un chanteur irlandais qui s'appelle Glenn Hansard et qui est extrait d'un film qui s'appelle Once, un petit film sorti en 2007. Pas un gros succès, mais un beau film. Et bon, qui a un peu fait écho avec des choses que j'ai pu vivre moi-même. Donc c'est pour ça que... Alors pourquoi, vous demandez-vous? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc, alors, pourquoi? C'est l'histoire d'un musicien qui joue dans la rue. Ah, déjà. Déjà. Un peu de toi, ça. Il est roux. C'était moi avant. Il est beau. Très beau. Il est beau gosse. Très beau gosse. Très beau gosse. Et donc, donc il se trouve qu'il tombe amoureux d'une personne dans le public un jour à un concert. Regarde bien! Il y a que de la famille ce soir, c'est pas la peine. Donc après, ils font de la musique ensemble, ils enregistrent même un CD. Et leur chemin se sépare, voilà, c'est la vie. Et donc, cette chanson s'appelle, donc elle est extraite de la BO qui est très très folk, que je vous conseille, vraiment. Cette chanson s'appelle Falling Slowly. Le musicien s'appelle Glenn Hansard. Et le film s'appelle Once. Boat and point it home. We're still
vas nous faire une cascade, Nico. Je sens que tu vas nous faire une cascade, je sais pas pourquoi, mais... Là, c'est vraiment dangereux du spectacle, attention. Donc, alors, avant la cascade, il faut d'abord un peu vous mettre en situation, donc je vais faire appel à votre imagination. On est en mai 95, on est à Cannes, on est au Palais des Festivals, on a Jeanne Moreau au premier rang, Vanessa Paradis, dans une belle robe rouge, pas blanche, mais bon, la rouge, pour lui. Un peu à en police. Vanessa Paradis, un petit peu enrobée. J'ai déjà fait. Oh, dis donc. Donc on a aussi un brillant guitariste assis sur le rebord de la scène, par là, hein, dans la personne de Jean-Félix Lalanne, le frère de Francis. Frère de Francis, mais non, et brillant guitariste. Voilà, Jean-Félix Lalanne. Et donc on va vous produire cette scène à l'identique ce soir. Pareil, tout pareil. Donc c'est là où ça devient un peu dangereux, parce que je vais faire une cascade. Je vais donc m'asseoir sur le bord de la scène. Pareil, il y a eu. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangeola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait au mal son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans ton bien ma vie. Je l'ai vu un soir, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Faut que je reparle de mon cinquième et dernier compositeur, tu sais bien, je me dois d'apporter cette note culturelle un petit peu, de les cultiver un petit peu. Alors, c'est un cinquième compositeur dont j'aimerais vous parler. Alors, j'aurais pu mettre des compositeurs très, très célèbres aussi, comme Georges Delru, Gabriel Ayarette, Serge Gainsbourg, qui ont composé pour le cinéma français, qui ont fait de très belles choses. Mais j'ai choisi un compositeur peut-être un peu moins connu, qui s'appelle Philippe Sard, bien sûr. Philippe Sard a travaillé avec des réalisateurs très prestigieux comme Claude Sautet, Pierre Granier de Fer, André Deschiné, Georges Hotner. Un compositeur très très exigeant. Il a composé de magnifiques partitions comme des musiques de films Deux hommes dans la ville avec Gabin, Delon, La Grande Bouffe, comme par exemple aussi Mort d'un pourri avec Alain Delon. La musique elle est sublime, je vous vraiment recommande d'acheter l'album. Aussi Beau-père avec l'inoubliable Patrick Deverne, et où elle est sublime, il a fait vraiment des choses magnifiques. Mais peut-être que la plus belle partition qu'il ait composée, Philippe Sard, c'est peut-être la toute première, qui est un film sorti en 1971, donc il y a vraiment longtemps, pour Claude Sautet, hein, qui était le réalisateur des Choses de la vie, où la grande inoubliable Romy Schneider interprétera la chanson d'Hélène, qui est la chanson du film, qui encore marque les esprits et qu'on va vous chanter. Ce soir, nous sommes septembre et
Merci beaucoup. Merci Carole. Merci. À bientôt Carole. À bientôt. Nous allons enchaîner avec la musique d'un film, la chanson empruntée dans un répertoire disco de Donna Summer, la regrettée Donna Summer, pour le film The Full Monty. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas vous faire du disco avec trois instruments, c'est juste un peu difficile, mais on va essayer de faire vivre un tout petit peu cette chanson. Mais ça le fait moins, comme je l'ai dit en français. Ah, il y en a encore connu. Ghislaine. On peut applaudir bien fort Ghislaine. Ah oui, merci beaucoup, Ghislaine. J'aime bien. Qui nous fait vraiment l'honneur d'être notre deuxième invité ce soir. Qu'est-ce que tu viens nous chanter? Tu veux que je fasse en anglais ou en français? En anglais, tu viens de Los Angeles. All right, this is... Attends, je vais le faire, tu vas voir comment je vais faire classe. C'est un petit film qui a eu beaucoup de succès. Oh, parce que j'ai problème avec mon français. J'ai un peu de problème pour dire le mot. So, excuse me, but... Et c'est un petit film qui se passe aux États-Unis, Vegas, Nevada, desert, and with two women. Does somebody, does it ring a bell? Anybody? No, two girls, one comes from Germany, the other one. Yeah, right! Every wind drives down. Mais oui! Il n'y a plus de jeu, je veux dire. There's a road from Vegas to nowhere. Better
don't know where you've been. I got the machine that needs some fixing in a little cafe just around the bend. Je crains le pire, les amis. Je crains le pire. Moi aussi, moi aussi. Je peux vous dire que c'est un film qui sorti en 1987 avec deux acteurs comme Kim Basinger et Mickey Rourke. Ça vous rappelle quelque chose ? J'ai très très peur. J'ai très très peur de ce qui va se passer maintenant. C'était le film 9 semaines et demie. Carole, tu viens venir m'aider? Parce que comme c'est un peu presque la dernière, ça va dégénérer. C'est pas bien. Voilà, c'est bien. Tu poses ton téléphone, tu Surtout filmer. Surtout filmer. Personne ne se déshabille, je serai donc obligée de déshabiller Nico avec l'aide de Carole. Ah, s'il vous plaît. Nous sommes bien d'accord, ce serait une bonne nouvelle. Hein okay. Allez, Carole, bienvenue. Laissez pas tomber. Et ça tombe bien, j'ai mes avocats ici. C'est vrai en plus. Et c'est grâce à ça que tu auras la gloire, tu sais, il paraît que faut y aller quoi.
love me yet. Get off me sometime, and I'll make you forget the rest. I got more in me, and you can set it free. J'attends Jillaine et Carole qui sont appelées à la barre, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ceci vous dit quelque chose? C'est ce que vous auriez dû m'apporter. C'est je me l'aurais pas raison. Et surtout, c'est un film qui a été interprété par Bette Midler en l'honneur de James Joplin. Merci Jessica de m'avoir allumé la salle. Je peux donc reconnaître les miens? J'ai repéré. Ok. Oh, bambino. Some say love, it is a river that draws a tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger and endless seeking me. I say love, it's only
Aussi loin dans la. Bon, alors on est. On est à Minneapolis. Il y a de la pluie de couleur pourpre qui chante sur nous. Si vous avez des cigarettes électroniques, c'est le moment. I don't want to cause you with sorrow. I never meant to cause you any pain. No, oh no, I did. All I wanted was to see you laughing. Your
job, something new. And it means you too. That means you too. Say it later, but it can't seem to make your mind. I think you better close and let me guide you. She didn't know. Purple rain. She didn't know. Ooh, purple rain. Purple rain. C'est où ça, c'est où? Nicolas, peut-être as-tu un message à faire passer ? Ouais, on vous aime, voilà. On vous aimera toujours. Je sais que tu rêves d'être devant sur la scène avec nous. Si, we know.
en robe. Papy, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi.